Bonjour à tous, comme promis, oh l'action! Allez, on y va! Alors, attends, deux sacs. Alors, action, ce matin, j'ai trouvé. Je vais commencer parce qu'il n'y a rien à voir avec le scrap. Il me fallait de la lessive. J'ai vu qu'il y avait de la lessive Dash comme ça en promotion. Je suis pas trop du genre à acheter les capsules comme ça, mais bon, là c'était en promo donc j'y ai pris. Voilà, il y a 15 dosettes à l'intérieur. Et puis après, la boîte, bah, je pourrais la réutiliser pour une autre occasion, une fois qu'elle sera vide. J'ai pris du vanish. Moi, je m'en sers beaucoup, surtout pour les bleus de travail de mon mari, car il est mécanicien poids lourd. Et je lave ses bleus, donc je ne vous dis pas dans l'état qu'il m'y ramène. Du coup, le dash, enfin le vanish, pardon, est bien utile. J'ai pris un paquet de lingettes pour nettoyer choses et autres. Donc, j'en avais plus. Voilà. Je m'en sers dans la pièce. Après, j'ai pris de l'enduit pour bois. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai vu sur la chaîne de Créa Mélan, Mélanie, elle avait fait comme moi, elle avait acheté le gros pot d'enduit. Sauf que moi, il est tout sec. Et je m'en suis pas servi beaucoup. Et elle a eu l'idée de prendre, enfin dans une autre, dans une autre chaîne sur YouTube, je sais plus le nom où elle a vu ça, je me rappelle pas. L'enduit pour bois, donc c'est pour bois, mais je me dis pour faire mes pochoirs en mix média, ça sera sympa. Et Mélanie, comme elle disait, c'est vrai que ça aura l'avantage de moins sécher, voilà, c'est un peu mieux fermé. Il est plus petit, donc voilà. Je l'ai vu dormir en bricolage, du coup j'en ai profité pour en prendre un tube. Ensuite, j'ai pris des cadres comme ça. Je sais pas du tout. Alors, je vais voir si je les trouve sur le ticket de caisse. En fait, je ne les ai pas spécialement pris pour les cadres, j'ai plus pris pour la photo parce que c'était la tour Eiffel. €1,48 le cadre. Donc eux ils appellent ça 4 photos bord pailleté vert en format 10-15 1,48. Voilà, bah, il est joli, hein, il est pas vilain. Mais je vous dis bien, moi j'ai pris surtout pour la photo de la tour Eiffel, du coup j'en ai pris deux. Voilà, je me dis les cadres, je pourrais les offrir pour un lot, par exemple, pour un concours. Ça peut être une idée. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Attendez, j'enlève une nappe monde. J'ai trouvé trop mignonne. Il y en avait plusieurs, hein. Moi, j'ai pris celui-là. C'est celle qui me plaisait le plus. Avec un support en bois, bronze et noir. Enfin, donc, une petite nappe monde. Bon, je l'ai vue, elle m'a plu, donc je l'ai prise. Après, je ne sais pas si je vais la customiser ou pas, j'en sais rien. Le globe terrestre, €2,99. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Et tiens, pour mettre en déco, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai repris de la colle Patex. La colle à bois. Donc la colle, vous savez, moi j'utilise beaucoup pour tout. Donc du coup, bah, j'en ai fait un stock de deux pots. Voilà. Donc je rajouterai dans mon stock de colle. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ce set de tampons. Il ne me semble pas l'avoir pris la dernière fois. Du coup, j'ai craqué cette fois-ci. Je l'ai pris avec le petit dies. Voilà. Donc je le rangerai avec les copains. Ensuite, pour nettoyer mes ciseaux, je n'en avais presque plus, du curin. C'est super pratique pour enlever la colle des ciseaux. J'en avais déjà une bouteille, mais elle est presque finie. Donc du coup, j'en ai repris une au cas où. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'était à l'entrée du Action. Ça doit être de la promotion aussi, je crois. C'est des sachets botaniques parfumés. Je vais voir si je trouve le... Le prix.
Je vous ai pas dit le prix de tout, hein, mais bon, vous savez à peu près les prix d'action, hein. C'était à 0,36 le sachet. Je dis bah pourquoi pas, donc j'en ai pris deux différents. Voilà, j'en ai pris deux différents. Je lui dis allez, je prends et puis je mettrai dans des courriers une fois. Ça peut être sympa. Ensuite, j'ai trouvé des figurines pour Noël. J'ai trouvé un personnage comme ça. Et j'ai trouvé un personnage comme ça. Donc là, j'ai trouvé un gnome. Et j'ai trouvé un petit garçon. Voilà. J'en avais plein. J'ai pris que ces deux-là pour compléter un petit peu mon bac de Noël. Pour faire des futurs centres de table. Statuette de Noël, 73 centimes. Voilà. Je prends, vu le prix, c'est pas trop cher. Ensuite, hein, j'ai pris cette cloche de Noël. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Donc moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout si je vais m'en servir en tant que cloche ou autre. Donc avec les chipboards en bois ici, la cloche ici, hein, on le connaît, voilà. Voilà le kit qu'il y a à l'intérieur. Donc la cloche, le support bois, du dessous, les chipboards, un peu de paillettes, un peu de peinture, une petite guirlande. Donc je verrai si je la fais à l'identique ou si je ferai ça à ma façon. La cloche. Fou, je sais pas où elle est. €2,79, ça vaut ça. Voilà. Après, j'ai trouvé ceci. Donc, je ne sais pas du tout si c'est nouveau. C'est du ruban un peu velours, effet velours. Donc, je l'ai pris rouge. Parce que j'avais l'intention de faire un album photo sur le thème de Noël. Donc, du coup, Noël, c'est vert et rouge. Pour rester traditionnel. Eux, ils appellent ça un ruban velours sur bobine de bois d'hiver, donc 99 centimes. Je sais pas si vous allez bien y voir. Il y avait plusieurs couleurs, donc ça j'y ai trouvé dans le rayon Noël. Voilà, un petit peu effet velours. En plus, il est super doux au toucher. Voilà. Donc il y avait du vert, du gris, du bleu, du rouge comme ça. Donc je vous montre l'étiquette si jamais vous y cherchez dans les actions où vous allez. Et c'est super doux au toucher. Voilà. C'est top. Ensuite, on arrive à la fin du action et après je vous montrerai les bricoles que j'ai trouvées à Noz. Mais alors Noz, je suis franchement déçue. J'ai repris un bloc comme ça, vous les connaissez. C'est les papiers noirs, beige et blanc de 2 grammages différents, épais et moins épais. J'en utilise pas mal en ce moment, du coup j'en ai repris un. Mais je m'en veux, j'aurais dû en prendre deux ou trois de plus. Ensuite, pour faire donc le fameux album de Noël que je voulais faire, j'ai repris des blocs comme ça, ceux que j'adore. Donc je vous les avais déjà montrés dans un haul. Donc il y avait celui-ci. Il y en avait plein, donc je les ai pris, hein. Il y avait les bleus, il y avait les noirs, il y avait... ils y étaient tous. Mais bon, je suis restée sur le traditionnel. Celui-ci. Et j'ai repris celui-ci aussi. Avec les différents papiers textures au toucher. Qui sont top. Voilà. Donc pour faire un album de Noël. Voilà, j'ai repris cela et j'ai repris aussi un bloc. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une nouveauté. Moi, c'est la première fois que je le vois. C'est celui-ci. Je l'ai vraiment trouvé très beau. Et je crois que je ferai aussi un album pour offrir peut-être ou pour un lot d'un concours, je ne sais pas. Voilà, les papiers, je les trouve très très beaux. Avec des étiquettes aussi que je pourrais découper.
Voilà, je l'ai vraiment trouvé très joli et j'ai dit, bah allez, je le prends. Je ferai un album avec des enveloppes. Voilà. Donc pour un futur concours. Enfin, un futur lot pour un concours. Hop, voilà. Et j'ai pris également un grand bac de rangement. Je vais pas pouvoir vous le montrer. C'est du 60 litres. Alors, je vais essayer de décoller l'étiquette pour vous montrer. Je pense que vous le connaissez, ces grands bacs-là. Hop, voilà, j'ai enlevé l'étiquette. Donc, j'ai acheté un grand bac de 60 litres. Au départ, je voulais en acheter, vous savez, les lots de 3 qui font un bac de 10 litres. Donc, il y en a 3, ça fait 30 litres. Du coup, j'ai pris 60 litres. Comme ça, au moins, je pourrais ranger un petit peu plus de choses à l'intérieur. Ensuite, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Noz. Franchement, Noz, je suis déçue. Je crois que je vais plus y aller parce que je trouve jamais rien. Voilà. Autant dire les choses comme elles sont. Donc, j'ai trouvé des choses, mais pas ce que je cherchais, en fait. Voilà. Donc, on va commencer par ceci. Eux, ils appellent ça un médium journal relief. Moi, personnellement, je l'ai pas pris pour... le relief, je l'ai pris pour les feuilles lignées pour mettre dans des junk journal. Donc ça m'a coûté 99 centimes. Donc c'est un carnet en fait, mais les feuilles à l'intérieur sont lignées comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Voilà. Donc c'est plus pour ça que je l'ai pris. Ensuite, pour arriver à relire... Il y avait des choses en promo. J'ai trouvé des drapeaux américains comme ça. Pardon. Adhésifs. J'ai payé ça 59 centimes. Je me suis dit pour faire une carte d'un garçon, d'un jeune homme ou d'un homme, ça peut être sympa sur le thème États-Unis. Voilà, car le meilleur ami de mon mari adore et fan des États-Unis. Donc je me dis, s'il y a une carte d'anniversaire, j'aurai au moins le drapeau. Voilà. Les trombones, comme ça, les trombones XXL. Donc il y en avait plusieurs, j'en ai pris donc un de chaque couleur. Voilà, ils sont super gros. 99 centimes, les 6. Voilà, donc j'ai pris. Ensuite, j'ai pris les yeux comme ça, les yeux mobiles, parce que je vous avais dit que j'avais fait des ATC sur le thème de la momie, je ne retrouvais pas des yeux. Donc du coup, bah, j'ai pris ceux-là. Voilà, donc après le tarif. De toute façon, ça ne cherchait pas bien haut parce que au départ, ça coûtait 2,50. Et je pense que j'ai une bonne remise dessus, donc ça a dû me coûter... je vois 59 centimes de noté, donc je pense que c'est pour celui-là. Sur le thème d'Halloween, toujours, j'ai trouvé ceci. Forme mousse, bah 59 centimes aussi sur le thème d'Halloween. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, vu que j'ai pas grand-chose d'Halloween. Et j'ai trouvé ceci, déco mâché, découpage papier, donc flocon à 59 centimes. Voilà, j'ai trouvé ça sympa pour Noël. Voilà. Si je veux faire des petites créas. Et j'achète pas souvent de la nourriture à Noz, mais j'ai trouvé cette boîte à 4,99€. C'est des gâteaux Milka comme ça. Donc je me dis pour le goûter pour le gamin. Ça peut être sympathique. Voilà. Vous voyez, j'ai trouvé 3 fois rien à Noz. Je suis vraiment déçue. Là, je vous avoue que je crois que je vais plus y aller du tout à Noz parce que je trouve jamais rien de ce que je cherche. Voilà, je voulais juste ouvrir le carnet pour vous le montrer un peu mieux. Et moi, pour que je le voie mieux aussi. Du coup, hop. Ouais, donc vous voyez, c'est un carnet ligné. Hein. Voilà, donc ça, c'est top pour les junk journal. Ça va être terrible. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser pour ce haul. Voilà. Donc j'espère que vous trouverez ce que vous souhaitez aussi bien à Action qu'à Noz de votre côté. Sur ce, je vais vous laisser. Moi cet après-midi, je vais me mettre dans du rangement. Je vais essayer d'organiser autrement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Plein de bisous.
Et à très vite sur Illumascrap. Voilà, gros bisous, bye bye.